Oui, j'ai toujours été passionné par l'art de faire de la magie, faire de l'illusion à partir de mes mains. Et souvent, quand les gens voient un illusionniste à l'œuvre, je sais qu'ils se disent intérieurement, mais comment ça je me fais avoir autant que ça? Je suis une personne intelligente, je regarde, je surveille, je suis rationnel, je devrais comprendre une partie des trucs que le magicien fait. La première chose à comprendre, c'est que notre cerveau ne voit pas tout ce que nos yeux peuvent voir. En fait, la majorité de ce qu'on voit et de ce qu'on entend est éliminée par le cerveau avant même qu'on en ait conscience. Quand vous parlez à un ami dans un lieu public, vous ne remarquez pas tous les gens qui marchent à l'arrière, parce qu'on deviendrait fou si on avait à gérer autant d'informations. Le monde est trop complexe, il est trop rempli de stimulations. Et le cerveau, pour nous aider à naviguer au quotidien, nous construit une image simplifiée de la réalité qui est devant nous. Donc, ce qu'on voit, ce n'est jamais la réalité. Ce qu'on voit en toute situation, c'est une perception, c'est un point de vue qu'on a de la réalité qu'on vient de voir. Et puisque le cerveau prend des raccourcis, le magicien, lui, ce qu'il fait essentiellement, c'est de profiter de ces raccourcis-là pour être capable de vous tromper. Il n'y a rien comme un exemple pour bien comprendre le phénomène. Je prends ici un jeton de poker et un crayon. Je vais taper 3 fois avec le crayon le jeton. Au 3e coup, le jeton va disparaître. Vous êtes prêts? Juste ici. 1, 2, 3. On a perdu le crayon. Mais il n'est pas très loin, il est juste... juste ici. Mais on va le refaire. 1, 2, 3, et le jeton est disparu. On ne va pas seulement regarder comment le tour fonctionne, mais pourquoi le tour fonctionne, ce qui est encore plus intéressant. Parce qu'au fond, un magicien, ça aime diriger l'attention des gens sur des zones d'intérêt très précises. On va le faire par ce qu'on fait. Si j'ai un objet dans la main et je regarde intensément ma main, vous êtes tenté de regarder, ça a l'air important. Mais si je vous pose une question, que je vous regarde avec mes yeux, pendant un instant, vous allez tous regarder mon visage et peut-être retourner vers le crayon. Tout à l'heure, je vous ai dit, le jeton va disparaître. C'est sûr qu'il devient super intéressant et vous regarderez le jeton. Et je le tape 3 fois. Et à chaque fois que je tape, le crayon est assez haut. Donc, il sort pratiquement de votre champ de vision. Donc, je compte. 1, 2. Au 3e coup, je le rentre dans mon col de chemise et la main redescend. 3! Boum! Effet magique numéro 1, le crayon est manquant. Pendant que vous cherchez le crayon, moi je dirige votre attention vers le haut et vous le voyez réapparaître juste ici. Pendant qu'il réapparaît, dans mon autre main, je le laisse tomber le jeton dans la poche de veston gauche. Mais je continue à garder tout ce temps-là le crayon parce que c'est ça qui est important. Et là, je suis en avance, là. Le tour est terminé. Il me reste juste la mise en scène. 1, 2, 3, le jeton est terminé. Et on réalise dans une démonstration comme ça, à tel point notre attention est concentrée sur un point très précis. Très, très précis. Notre attention, c'est comme une lampe de poche dans une salle sombre. Là où on est clair, on voit bien. Tout ce qui est autour, pas tellement. Donc, quand vous regardez ma main ici, vous ne voyez plus mon col. Quand vous regardez le crayon en haut, vous ne voyez plus la deuxième main. Et on dirige votre attention comme ça. Donc, on a vu comment le tour fonctionne, pourquoi le tour fonctionne, mais c'est quoi les applications réelles pour vous dans votre vie au quotidien? Simplement qu'à partir du moment où on accepte l'idée que ce qu'on voit, c'est juste un point de vue, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui a réellement le monopole de la vérité. Et que si une personne près de vous a eu une autre idée, un autre point de vue sur une situation, ça ne veut pas nécessairement dire que l'autre personne a tort. Le simple fait que sa culture ne soit pas la même, son éducation, ses intérêts ne sont pas les mêmes, on va avoir tendance à voir les mêmes choses, mais les interpréter d'une façon différente. Quand on comprend ça, on peut finalement adopter les points de vue des autres personnes, mieux se comprendre et mieux collaborer en équipe, mieux travailler ensemble pour réussir de grandes choses. Parce qu'on se fait tromper par nos points de vue. Fait que si vous voyez un truc fantastique, que vous pensez que ce soit le résultat
de la chance, du travail ou d'une habileté. C'est juste un point de vue. Merci beaucoup.